Alors salut, c'est Thierry pour l'actu du cours qui muse l'esprit. Comme tu l'as compris, en introduction, on va parler aujourd'hui d'énergie sexuelle. Alors ouais, c'est quoi l'énergie sexuelle? Ben c'est simple, en fait l'énergie sexuelle, c'est l'énergie qui va te permettre de réaliser tous les projets que tu as envie de réaliser dans la vie. Et je sais pas toi, mais moi j'ai des potes, leur seul truc dans la vie c'est de visiter des sites un petit peu de cul, des sites de rencontres et de choper le maximum de gonzesses. Et ils se rendent pas compte en fait qu'en faisant ça, ben ils perdent toute leur créativité, toute leur énergie et ils arrivent à réaliser absolument rien dans leur vie, ils se sentent même parfois un peu mal. Et pourquoi? Simplement parce qu'il y a une mauvaise utilisation de l'énergie sexuelle. Donc je t'invite à faire un truc, si tu es un gars et tu regardes cette vidéo, c'est de faire une abstinence pendant une semaine, deux semaines, et tu vas voir ton énergie passer de là à là. Juste pour un petit exemple, par exemple, l'année passée, je sais pas si tu sais, j'ai créé un one-man show, voulez-vous changer avec moi? Et pendant 6 mois, pour être tout à fait clair, donc ça reste entre toi et moi, hein, pendant 6 mois, j'ai pas touché une gonzesse. Donc j'avais une patate d'enfer parce que j'avais ce projet, je voulais vraiment aller au bout de ce projet. Et je gardais justement cette énergie sexuelle qui m'a permis de réaliser un truc assez incroyable, un rêve de gosse, donc qui a été réalisé le 9 décembre l'année passée. Et puis j'ai justement eu la chance de pouvoir prendre connaissance de cette énergie et de pouvoir la mettre au profit d'un projet. Donc si aujourd'hui tu t'astiques le poireau tous les jours en regardant des sites de cul, bah c'est que tu es en train de perdre ton énergie. Ou alors si tu vas sur des sites de rencontres, hein, sur Tinder, Adopte un mec, etc. pour choper le plus de gonzesses possible, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu vas donner simplement ton énergie et tu vas la perdre. Et encore un truc qui est important, c'est quand tu donnes ton énergie, ok? Imagine tu vas choper une petite en boîte, ok? Et puis la miss, elle a peut-être pas une bonne estime d'elle-même. Elle a peut-être pas une bonne estime de soi, elle a peut-être consommé des drogues, etc. Et toi, tu vas mélanger ton énergie avec elle. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas te sentir mal et ton énergie va passer de là à là. Donc, je t'invite aujourd'hui à prendre connaissance de cette énergie qui est extrêmement puissante et qui va te permettre de réaliser des trucs assez ouf dans la vie si tu l'abuses pas. Je sais pas si ça t'arrive à toi d'avoir ce genre de pote là. T'as fait quoi? T'as fait quoi de beau ce week-end, Gilbert? Ben, moi, j'ai tiré des gonzesses. Hein. Ah ouais, ce week-end j'en ai tiré 3, hein. J'ai chopé 3 sur Tinder, oh putain j'ai tiré. Alors je sais pas si t'en connais des mecs un peu comme ça, moi j'ai plein de potes en fait qui leur seul truc c'est vraiment d'aller choper des gonzesses en boîte, en discothèque. Et en fait si tu fais ça, bah tu perds ton énergie. Donc déjà c'est pas très cool pour la mise que tu utilises un petit peu comme un objet, mais deuxièmement tu perds ton énergie que tu pourrais utiliser en fait pour réaliser des projets de ouf. Donc je t'invite juste dorénavant à faire l'expérience pendant une semaine ou voire deux semaines. Bah, tu vas pas visiter ce genre de site, tu vas juste penser à ce que tu veux réaliser dans la vie et tu vas voir ton énergie qui va vraiment évoluer. Voilà, c'était pour la capsule du jour, j'espère que ça t'a plu. Et puis jusque là, bah, clique sur le i comme info en haut à droite pour découvrir donc le teaser du One Man Show Voulez-vous changer avec moi et pour découvrir également tous les services que j'offre à mes coachs, à mes clients, etc. Et dans les liens, dans la description de la vidéo, tu vas également trouver tout ce que tu cherches. Allez, surtout n'oublie pas, tout est possible, alors passe à l'action. Bye bye.